Bah t'étais où? Bah hier, je suis sortie en boîte avec des copines. Oh, les sambis, c'était trop bien. Tu rentres seulement? Bah ouais, j'ai rencontré un gars là. Oh, je te raconte pas. T'as couché avec? Ouais, mais franchement, tu l'aurais vu. Trop beau. Tu t'es protégée au moins? Ouais. Bah, je suis trop. Non mais tu te rends pas compte, peut-être le gars avec les rues du sida et maintenant tu l'as. Attends. Tu vois le numéro, t'appelles, tu te renseignes pour faire le test, mais franchement faut que tu le fasses, c'est important. Moi ouais, laisse tomber, j'ai dû taper la honte. Mais non, c'est anonyme et gratuit, en plus il y a un centre de dépistage qui est pas loin d'ici, vas-y. Où s'adresse-t-on pour faire un dépistage? Bah, je pense qu'en principe, on devrait s'adresser à son médecin d'abord et éventuellement à l'hôpital. Je pense. Le dépistage du sida est-il payant? Non, le dépistage n'est pas payant. Je pense quoi. Du moins, je pense qu'on peut demander à son médecin simplement par une ordonnance en fait pour faire une prise de sang toute simple ou alors simplement à l'hôpital ou même il y a des organismes spécialisés qui font des dépistages anonymes et où on peut avoir la réponse dans peu de temps sans que personne soit au courant quoi. Ça va, femme? Ça va, boule? Hé, le copain, hein. J'ai un de ces trucs à vous dire. Vas-y, fais péter, ma poule. En fait, les mecs, je crois que je suis amoureux d'un de ces types. Oh, le bazar. Ah, je le raidon, dis-moi pas que tu vas te le faire. Mais les gars, j'en ai marre de vos conneries! Vous êtes que des bourrins de toute façon! Vous tenez au courant dès qu'on vous arrête. Mais t'as pensé à te coiffer, mec? Chut! Ah ouais, je me suis fait une petite recoiffe quoi! Mais non, crétin, mais non! Je parle du petit bout en caoutchouc! Petit bout de plastique là! Tu commences à me parler de ça, mon coco? C'est bien que je suis expérimenté! Partout dans les rues, on m'appelle le cadre de voix des temps modernes. Mais ça n'empêche pas de te protéger. Pour vous, le sida touche uniquement les homosexuels ou tout le monde? Non, je pense que c'est faux de penser que cette maladie ne touche qu'une certaine catégorie de personnes, en l'occurrence les homosexuels. C'est ce que beaucoup de gens pensaient lorsqu'on a découvert cette maladie il y a 20 ans de ça, mais je pense qu'actuellement c'est une maladie qui de toute façon affecte tout le monde, qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel. À partir du moment où on ne prend pas ses précautions, on n'utilise pas de préservatif, on a un comportement à risque, qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel, ça ne fait absolument aucune différence. Et si les statistiques actuelles sont vraies, en fait, y a beaucoup plus d'hétérosexuels qui sont en danger vis-à-vis de cette maladie que d'homosexuels. Donc je pense que c'est tout le monde qui doit prendre ses précautions, quel que soit son comportement sexuel. Voilà. Avez-vous assez d'informations autour du sida et des MST? Bah, pour moi, le sida, on a assez d'informations, mais ça choque pas les personnes comme la sécurité routière où on voit vraiment la gravité des accidents. Mais le sida, on sait que c'est la mort, mais on a un peu plus d'informations sur ça. Ça, on va trop bien se marrer, en plus avoir v'là le monde. Ah, c'est vrai, j'espère y avoir Mickaël parce que sinon c'est mort sans lui. C'est clair. T'as pas vu Angélique, ça fait une heure que je la cherche. Non, j'ai pas vu. Angélique, c'est toi? Angélique, tu peux pas me dépanner, c'est vrai, parce que là, j'ai oublié ma seringue, je suis à bout, je peux pas venir. Ah non, je peux pas. Et moi, après, je fais comment?
À penser au risque. Imagine si j'ai le sida. Ah vas-y, passe à moi ça, parce que là je peux pas tenir. En plus, t'as le sida, je suis au courant quand même. Tu sais pas, j'ai jamais fait le test. Puis t'as qu'à faire comme moi, tu vas en pharmacie. Ah ouais, à cette heure-ci, tu crois que c'est encore ouvert? Oh, puis t'avais qu'à y penser plus tôt, allez. Ouais, sérieux, on voit qu'on peut compter sur toi. L'échange de matériel est-il dangereux? L'échange de matériel type seringue, le rasoir? Oui. Oui, c'est très dangereux, je ne vous conseille pas. Il faut surtout faire attention, puisqu'il y a des risques de transmission qui sont très forts. Je suis en paix.